Hey à tout le monde, c'est The Triste Pain et aujourd'hui on se retrouve pour le 21e épisode de Pokémon Perle. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, Luxio avait enfin évolué en Luxray et nous avions aussi réussi à avoir notre 5e badge d'arène. Non sans mal quand même, on s'était quand même pris un petit game over, mais après on avait quand même réussi à remonter la pente. On avait réussi à battre la championne dans le même épisode. Et je n'ai pas réussi à tenir ma promesse, je vous le dis tout de suite. J'ai essayé, pourtant, je l'ai fait monter d'un niveau en plein jour, comme vous pouvez le voir. Là, au moment où je tourne, il est midi, presque une heure. J'ai essayé, pourtant, mais je n'ai pas réussi. Nous avons toujours Rose Bouton dans l'équipe. J'essaye pourtant, tant bien que mal, de le faire évoluer en Roselia. Mais je n'y arrive pas. Peut-être ça arrivera, peut-être que ce n'est que les femelles qui évoluent. Faudrait que je vérifie ça, mais je ne sais pas. Aussi, je tiens à vous le dire tout de suite, s'il n'y a pas d'épisode ce week-end, c'est tout à fait normal. C'est parce que je reprends les cours lundi, au moment où je vous parle là, actuellement on est vendredi. Lundi, je retourne en cours, du coup, je retourne en internat, du coup je ne pourrais plus vous tourner de vidéos pendant une semaine, enfin pendant quelques semaines. J'essaierai tant bien que mal aussi de faire des vidéos pendant les week-ends, mais ça va être compliqué quoi. Je me justifie un petit peu quand même, je ne peux pas faire faire de vidéos pour ce week-end parce que j'ai tout simplement des devoirs à finir et puis un peu à réviser parce que vous savez comment ça se passe, 2 semaines des vacances et après c'est le grand nettoyage de printemps quoi. Je sais même plus ce que je faisais en cours, donc voilà. Mais bref, c'est le dernier épisode de ces vacances. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit sympathique. Et puis voilà. Et ben on est parti pour le 21e Pokémon le 21e épisode de Pokémon Perle. Alors, dans l'épisode, comme vous le savez, on a eu un badge d'arène. C'est le badge de type Spectre. Du coup, il nous manque 3 badges. Et cet homme, parce que moi je vois les petites têtes en dessous, hein, le prochain, je crois que c'est un mec de type acier. Et je sais où il se situe. Il se situe, alors la carte, il faut trouver la carte, elle est là. Cet homme se situe ici, à Jolie Berge. Du coup, on va voler à Félicité. Et de toute façon, il nous... je suis sur la carte. On va utiliser vol jusqu'à Volucité. Félicité-les. Bon, bref. Félicité, voilà. Félicité. Tac. Et après, on va partir pour Jolie Berge. Et c'est maintenant que je me rends compte que il fallait vraiment avoir surf pour aller à Jolie Berge. Parce que vous ne le savez peut-être pas. Alors, mes Pokémon sont-ils soignés? Oui, ils sont soignés. Non, parce que. Rose Bouton n'a pas tous ses PP. Vous avez vu que j'ai quand même mis le multi-expérience sur Rose Bouton. Du coup, il risque de peut-être monter en niveau dans cet épisode. Donc, s'il évolue dans cet épisode, ce serait parfait. Mais après, s'il évolue pas, ça risque d'être compliqué. Après, si on arrive jusqu'à la ligue et puis qu'il est encore en Rose Bouton, ça va être un peu compliqué quoi pour la suite de l'aventure. Alors, Jolie Berge, c'est par là. C'est par ici. Ok. Désormais, on peut y aller, hein, parce qu'on a nos 5 badges d'arène. Et là, on va devoir traverser l'océan. Ou peut-être pas. Attendez, c'est pas sûr. Si, on va devoir. Mais par contre, je sais plus par où il faut aller. Je pense qu'il faut aller par là, quand même. On va utiliser Surf avec Léviator. Et on est parti pour... pour Jolie Berge, faut que j'y arrive, Jolie Berge. Alors un Goélise, bon, ça nous intéresse pas trop. On va fuir, hein, bien sûr. On va fuir. Chimpanfeu est bientôt niveau 30, du coup il va bientôt arriver vers ses amis. Et oui, c'était par là. Un marin, toi t'es un dresseur, ok. Donc, toi, tu as des Pokémon de type O, du coup, c'est pas très intéressant d'avoir mis Chimpanfeu devant. Mais Chimpanfeu, c'est le plus bas au niveau, du coup, faudrait peut-être le monter. Tu as un Baby Manta.
On va le tenter, hein. On va le tenter, on va lui faire des petits avec la troc. Ça va le faire, hein. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Allez, éclat troc. Je suis sûr qu'il peut. Oula! C'est pas très efficace. Bon, c'est pas très. Ah, on a fait un coup critique. Par contre, tu ne baisses. Ah, si tu baisses sa défense, c'est bien. La défense de Baby Manta baisse. Bulldo. Ouf, ça fait mal ça. Si on arrive à un stade trop critique de ses PV, je changerai. Ouh, il faut que je change. Tout de suite même. Je change tout de suite. Pokémon. On va envoyer Rose Bouton. Je sais que bon, Rose Bouton est peut-être niveau 33. Mais j'ai envie qu'il évolue. J'en ai marre de voir ce petit être insignifiant. Ah bah super. Super. Vraiment, je l'ai envoyé au meilleur moment. Ok, on va lui faire méga ascensu. Et du coup, on va pouvoir récupérer des PV. Alors, le... Quoi? Ah oui, ça lui a pas fait énormément de dégâts. Hein. Il est vol haut, Baby Manta. Ah, c'est possible. Bah, comme Léviator. Mais lui, c'est un peu plus logique parce que les Raimanta, c'est un peu les... C'est les poissons dans la mer qui disons, battent des nageoires pour... Enfin, on dirait qu'ils volent dans l'eau, en fait. Du coup, c'est assez logique qu'ils soient vol. Mais Léviator, il y a toujours ce mystère qui traîne autour de lui. Ok. Alors, je ne sais... Je... Allez. Allez, on joue la carte de... Du ok, bon, ça va. Allez. Oui, c'est bon, c'est bon. On a gagné. Ah non, il a la trouille, super. S'il fait cruel, on est peut-être mort. Ok, hâte. Ça augmente son esquive, ça, ou sa vitesse? Sa vitesse. Ok, le méga sensu qui passe. Et Baby Manta est KO. Et oui. Ok, nice. On va leur régénérer leur PV tranquillement. 468 points d'expérience. Un Léviator. Ouh, là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on envoie Luxray. Dans tous les cas, Rose Bouton gagnera de l'expérience. Luxray qui est niveau 32, hein, qui devient de plus en plus fort. Ok, là il y a l'intimidation, mais il y a aussi l'intimidation de Luxray. Voilà. Et ok. Luxray, tu veux nous faire un étincelle, s'il te plaît? Il fait mort sur lui. Ça va, tu tiens le coup, oui, tu tiens le coup. T'es le meilleur. Étincelle. Et puis le one shot parce qu'il est vol haut. Du coup, c'est x4. Ça va faire très 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 mal. Oui, monsieur. Il est mort en un coup. Qu'est-ce qu'il y a? 709 points d'expérience. Vous imaginez tout ce que Rose Bouton aurait gagné si ce serait lui qui aurait mis le coup fatal. Ok, sac. Oui, sac, on va leur donner des potions. D'ailleurs, je fais la promesse solennelle que à la prochaine ville, je vais acheter autre chose que des potions. Parce que moi aussi, ça commence à m'énerver de devoir appuyer sans arrêt. Cette fois, on va passer aux super potions et peut-être même aux hyper. Waouh! Waouh! Mon Dieu! Il a changé. T'as changé, hein? Connard. Je rigole, je rigole, je vous aime de tout mon cœur. Ok, 50 PV. Un petit dernier pour Rose Bouton. Puis Luxray, il en a pas besoin. Et on est reparti. On va faire toi. Toi, t'es quelqu'un du genre à avoir un Pokémon électrique. T'as une tête. Je sais pas pourquoi. Ah, à moins que ce soit. Ah non, oui, c'est électrique, c'est bon. On va faire roue de feu de toute façon avec Chimpanfeu. Il va bientôt monter niveau 30 aussi. Roue de feu, vas-y. Ça va faire très très mal. Ah non, ça lui même pas la moitié quoi. Vantardise. Ouh, il a bien fait d'esquiver l'attaque. Bien joué Chimpanfeu. Parce que là, Vantardise, ça fait que notre attaque et notre attaque spéciale augmentent beaucoup, mais on est confus. Ok, dans tous les cas, même si on est confus avec Vantardise, bon, ça va, il fait morsure, mais là, il est mort. Parce qu'il y a la voilure qui va faire effet. Et voilà. Du coup, il est KO. Yes, 388 points d'expérience.
Et il monte au niveau 30. On se boutonne toujours pas monter de niveau. Ok. On va prendre les baies qui sont ici. Il y avait des pêcheurs là, mais on... Ah, il y avait une boule quand même. Bon, c'est pas grave. J'irai la ramasser hors cam. Et puis voilà. Une baie qui casse. D'accord. Le sol redevient fertile. Ok, on met ça dans le sac. Et une dernière baie, c'est une baie nanana. D'accord. Ok, on est reparti. Et là, on arrive normalement à Jolie Berge. Et oui, on arrive à Jolie Berge. C'était vraiment très rapide d'arriver. Ah, il y a un monsieur, un assistant du professeur Sommier. Papa, ça faisait longtemps. Oh, quelque chose te chiffonne? Tu te demandes qui je suis? Je suis l'assistant du professeur Sorbier. Tu connais Aurore? Je suis son père. Je suis son père. Le professeur m'a demandé d'améliorer ton Pokédex, tu vois. Alors j'ai choisi cet endroit car je me doutais que tu passerais par là. Papin, puis-je voir ton Pokédex un moment? Voyons. Je devais mettre le matériel ici, je crois. Clic, clic. Terminé. J'ai mis à jour ton Pokédex. Je devrais t'expliquer ce qui a changé, n'est-ce pas? Il peut désormais afficher les images de Pokémon mâles et femelles. Ok, je te laisse à ton projet. Pour le professeur. Puis-je aussi te demander de garder un œil sur la Team Galaxy? Le professeur est inquiet à propos de ce qui s'est passé à Félicité. Ce n'est probablement rien. Il faut que j'y aille maintenant. D'accord. Il est sympa, le père à Flora, hein? Chanty. Ok, on est à Jolie Berge. Alors, ah, bah, on va tout de suite acheter. On va dépenser toute money. Ok, bienvenue, acheter. Alors, on va t'acheter. Une super passion, ça rend combien? 50 PV. On est blindé de thunes, mon pote. Attends, on peut en acheter 99? 91. On va acheter. On va en acheter 40. On perd déjà 28 000. C'est déjà assez conséquent. Et on va acheter quelques rappels. Et on va en acheter 25. Donc là, on a bien claqué notre thune déjà. Il nous reste 43 000 Poké-Dollars. Et on est reparti. On va peut-être même pouvoir défier. Non, vous ne croyez pas qu'on va faire deux épisodes à la suite de Badge. Alors déjà, il y a le centre Pokémon ici. On va venir soigner au Pokémon. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Oui, je veux les soigner. Je vous les prends un instant. D'accord. Et du coup, nos petits bouts de choux sont soignés. Et on est reparti pour la prochaine arène. Je pense qu'elle est ouverte, hein. Je crois qu'il n'y a pas de souci avec celle-là. Elle est derrière ou elle est devant? Non, elle est par là. Enfin, elle est derrière ou... Ah, Enti! Oups! Hé, papa! Excusez-moi. Tu comptes défier le champion d'arène du coin, hein? Quelqu'un devrait évaluer ta force au cas où tu n'aurais pas le niveau. D'ailleurs, je vais m'en occuper. Moi et mon badge d'arène flamboyant neuf. Flambant neuf, pardon. Eh ben vas-y, Enti. On n'a pas peur de toi. Il a peut-être enfin fait évoluer son étourvol. Non, son étourmi. Parce que la dernière fois, on a affronté un étourmi, pas un étourvol. Chimpanfeu. Alors, c'est pas le meilleur combo qu'on a fait dans notre vie. Affronter un étourvol avec un Chimpanfeu. Du coup, on va envoyer Luxio. Cette fois-ci, on est en combat contre le rival. Du coup. C'est pas. Faut pas prendre ce combat à la légère. Parce que je pense qu'il peut nous foutre une bonne déculottée quand même. Ok, on a l'intimidation qui fait effet. Il fait aéropiquer. On a bien fait de changer. Parce que je pense que ça allait nous déglinguer. Ce n'est pas très efficace. Effet étincelle. Ok. Ça va le tuer en un coup, j'espère. Normalement, c'est un Luxio. Ouais, c'est bon. C'est bon. Il est mort en un coup. Ok. Pardon. Et du coup, Rose Bouton gagne 375 points d'expérience. Là, on va envoyer notre petit Léviator. Pour affronter son Ponyta. D'ailleurs, qui plus tard, je pense, évoluera en Galopin. Jamais réussi de ma vie à avoir un Galopin. J'ai pourtant essayé, hein. Mais j'ai. Non, j'ai jamais réussi. Jamais, jamais, jamais. Tac, surf.
C'est super efficace, bien sûr. Il est quand même niveau 32. Il a un niveau de plus que le Léviator, mais il meurt en un coup, et ça fait du bien. Ok, 500 quand même, 520 points d'expérience. Ce bouton n'évolue toujours pas, enfin, toujours pas de niveau. Scarino, on va envoyer Chape en feu. D'ailleurs, je pense qu'Étourvol va bientôt évoluer. Mais, bon, pour l'instant, je me concentre un peu sur Chape en feu. Parce que je l'ai un peu laissé à l'écart depuis que j'ai mes nouveaux Pokémon, surtout depuis que j'ai eu Rose Bouton. Route feu. Ça va être super efficace, ça. Il va mourir en un coup. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Coup de corne. Bon, ça fait pas très très mal. Ouais, quand même un petit peu, hein. Presque la moitié de notre vie. Route de feu encore une fois. Ok, nice. On l'a tué. Il lui en reste deux, je crois. Bah, il lui reste son Pangoléon et son... Ok, Rose Bouton monte au niveau 34. Est-ce qu'à la fin de ce combat, il va louer? Non, c'est un Primplouf. Et il est type glace eau. Du coup, je propose d'envoyer quand même Rose Bouton pour voir ce qu'il y a dans le ventre quand même. On n'a pas peur de toi, nous. Ose m'affronter. Primplouf. Par dresseur NT. Niveau 35. Moi, bon, j'ai bien fait d'envoyer... Rose Bouton. Ok, méga sensu. Moi, bon, je pense que ça devrait pas lui faire tellement de dégâts parce qu'on est encore au stade Rose Bouton. C'est vrai que tu penses à éclore quand même. Hein. Même pas un quart de ses PV. Oh, ça me déçoit. Fury. Ouf. Oh non, ça va. Ah, mais il fait plusieurs fois. C'est ça le petit hic. T'as fini? C'est bon. Et on va récupérer de la vie avec méga sensu. C'est ça qui est cool avec cette attaque. Et voilà. Il est à moins de la moitié. Je pense qu'on a encore deux attaques et ce sera bon. Il faut encore Fury. Toucher deux fois, ça fait plaisir. Encore méga sensu. Allez, un petit coup critique. Un petit coup critique des familles, s'il te plaît. Allez, non, raté. Raté. Mais il remonte jusqu'à 164 PV. Encore Fury. Bon, Primplouf, il a aucune chance. Hein. On est bien d'accord. Qu'on se mette d'accord, Primplouf, il a aucune chance. Dans tous les cas, même s'il nous tape 5 fois, c'est pas... Il va pas mourir. À moins qu'il fasse un coup critique. Ouais, tu vois, que 4 fois. Et on va refaire Méga Sensu. Et du coup, Primplouf est KO. Et là, Rose Bouton, il va gagner masse d'XP. Normalement. Parce qu'il a un niveau de plus quand même. Et puis il a le multi-expérience qui augmente. 1071 points d'expérience. Oh la vache. Tiens, regarde, c'est en ça que tu vas devoir te transformer, Rose Bouton. En Roselia. On va envoyer Tourvol. Oui, et on va envoyer Tourvol. Parce que s'il lui reste rien du tout pour monter de niveau. Ah, il est plus de la moitié. Parce que je suis sûr qu'il est à rien du tout d'évoluer, Tourvol. Du coup, il y a l'intimidation qui fait effet. Ok, aéropiqué. Qui va faire très très mal. Et presque le one shot. Presque le one shot. Sifflerbe. Ça nous endort, ça fait quoi? Eh oui, ça nous endort, d'accord. Eh ben, je connaissais pas cette attaque. Voyez. Je connaissais pas du tout cette attaque. Et Tourvol dort profondément. Ok. Vampigraine. Et Tourvol est infecté. Ça continue comme ça, il va gérer de ses PV. Bon, pas de beaucoup parce qu'on est quand même type vol. Il dort encore profondément. Pic toxique. Bon, ça va, normalement, on n'aura pas à changer de Pokémon. Et si on change de Pokémon, là, notre Pokémon, il va être empoisonné. Du coup, c'est pas la bonne idée. C'est pas la meilleure idée, ça. Ok, il récupère encore des PV. On va refaire Cruel. Il se réveille, c'est cool. Cruel, et tu le termines.
Et yes, on a gagné le combat contre Enti. Cool. 520 points d'expérience. Et on a battu Enti. Alors, est-ce que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Rosebouton va-t-il évoluer? Ah, j'ai cru, non! Rosebouton! Ouais, comme toujours, tu me dépasses d'une courte tête. Mais écoute, tu sais qui va défier la Ligue Pokémon et devenir le nouveau champion? Exactement, moi et personne d'autre. Enfin bref, tu devrais être de taille à affronter le champion d'arène. Dépêche-toi de relever ce défi. Ok, mais par contre, mec, je venais d'aller au centre Pokémon et tu m'as, comment dire, ouvert en deux. Du coup, bah, je dois quand même attendre un petit peu parce que là, c'est pas que faut que je soigne mes Pokémon, mais quand même, hein. Ouais, on va quand même tenter l'arène dans cet épisode. On peut y arriver, hein. Si on roule sur l'arène, ça va marcher. On va laisser Chimpanzé en première position. Il va pouvoir gagner beaucoup d'XP, ouais. Parce que c'est une arène de type acier. Du coup, bah, ça va être très très bien pour nous. Pardon. Ok. Ah là là, cette arène. Je l'adore celle-là. C'est peut-être même une de mes préférées dans ce jeu. Alors, un karatéka. Qu'as-tu à nous proposer? Un Steelix. Ah, roche acier. Alors, je sais plus quel type prend le dessus avec lui. Je sais plus si c'est un simple. Si c'est enfin, si c'est le type roche ou le type acier. Du coup, bah, dans le doute, je vais tenter roue de feu, mais je crois que ça va être super efficace. Ouais, ça va être super efficace. C'est le type. Ou peut-être même qu'il est plus du tout roche. Non, non, je dis des conneries. Damoclès. Oh la vache. Ça fait mal. Oh oui, ça fait mal ça. J'ai pas d'autres Pokémon qui peuvent faire l'acier. Je suis un peu dans le caca, je vous mens pas. Hein. On va faire roue de feu, mais je pense qu'il va mourir. Je pense très très fort qu'il va mourir. Waouh, Steelix, c'est vraiment un sac à PV. Provoque. Moi, t'inquiète pas que j'allais rattaquer. Hein. La meilleure défense, c'est l'attaque. Roue de feu. Ok. Normalement, s'il me tue pas maintenant, encore une attaque et il est mort. Tourmente. Alors, ça va nous empêcher de. Attendez. Chapeau fait victime de la tourmente. Tourmente t'empêche d'utiliser deux fois l'incapacité de suite. Ok, Flavèche. Donc c'est bien ça, c'est l'attaque qu'on a nous. Hein. Et on l'a tué quand même avec Flamèche. Cool. Cool. Il y a une 693 points d'XP. Rosebouton pareil. Qui sait, peut-être que Rosebouton va évoluer à l'arène. Hein. Je ne sais pas. Serait bien qu'il évolue, j'en ai marre de le voir tout petit. Ça m'énerve. Normalement, la super potion est là. Hop, on va l'utiliser sur Chimpanfeu. Ah, ça fait plaisir de plus avoir à spammer comme ça. Alors, oui, ça va. Cette arène va être constituée de plaques qui vont nous faire monter ou descendre. Je crois que bah, on va faire ce dresseur, comme ça il sera fait. Mais ça va nous faire monter ou descendre. Et je crois qu'il y a plusieurs étages. Une arène Pokémon, ça ne sert, machin, ça sert à jauger la routine, quoi. Il nous apprend. Qu'une arène, ça sert à combattre. Onyx. Alors toi, je vais utiliser Éclatroc. Parce que toi, c'est le type proche qui gagne. Voilà. C'est bien ce que je disais. Baisse-lui sa défense. Voilà. Peut-être qu'un deuxième Éclatroc et il est mort. Que de faire? Bon, ça va pas nous faire très très mal. Voilà, on est type feu. Ce n'est pas très efficace. Encore Éclatroc. Allez, allez, le two shot, le two shot. Non, raté. La défense baisse encore, mais ça sert plus à rien. Ah non, il utilise tunnel. Ah, on va le baiser. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va faire ça. J'envoie Tourvol. Et Tourvol est un Pokémon de type oiseau. Donc de type vol. Et le type vol n'est pas infecté par une attaque de type sol. Tel tunnel. Et voilà, ça n'affecte pas Étourvol.
C'est qui le champion? C'est qui le meilleur là-dedans? Ça va pas être très efficace. Mais peut-être, voilà, quoi, y avait de quoi le tuer. Ok. 78 points d'expérience, c'est pas beaucoup. Ça permet pas de à Itourvol de monter en niveau. Ok, 1240 Poké-Dollars. On va prendre le premier, hein. Je vous propose de prendre celui-là. Ça va parce que les autres, c'était des leurres. On va quand même aller voir. Attendez. Donc on sait que lui, c'est un bon. On sait que peut-être lui, c'est un. Non, c'est un. Ah non, c'est pas un leurre. Ça nous fait encore monter ça? Ah non, ça nous fait descendre. Ok, donc lui, c'était bel et bien un leurre. Bon, on va le laisser en haut, hein, ça ne sert pas à grand-chose. Faire ça. Ça. Je dois vous dire que je ne sais plus du tout comment marche cette arène. Hein. Ok, donc un top dresseur. Donc, toi, tu as un Hermure. Je pronostique un Hermure dans son équipe. Un Rapion, c'est pas ça du tout. Il est type acier, Rapion? Alors ça, je ne le savais pas. Je savais qu'il était type insecte. Je pensais qu'il serait type poison en même temps que son type insecte, mais... D'accord, il est type acier. Je savais pas du tout. Mais super efficace, du coup, c'est bien. Ça les tue pas encore parce que... Chapeau-feu n'est pas encore... N'a pas encore monté en niveau. Il peut empoisonner, ça fait plaisir. Encore un roue de feu. Ok, cool. Il est KO. Rapion est KO. 366 points d'expérience. Rose Bouton monte au niveau 35. Et peut-être qu'il va évoluer à la fin de ce combat. Encore un Stélix. Il va y en avoir beaucoup dans cette arène, hein, je vous préviens. Du coup, à chaque fois, je vais être un peu serré du cul. Je vais faire, oula, ça annonce pas très bon. Ok, alors tu lui fais beaucoup mal ou pas du tout? Pas du tout. Ça fait plaisir. Ah, il est brûlé. Il est brûlé, ça a eu un avantage de faire roue de feu, grincement. Ça va parce que l'ordinateur est un peu con. Parce que là, il aurait de quoi m'attaquer et me tuer en un coup, mais d'accord. Ok, c'est bien la brûlure parce que ça va le tuer petit à petit. Et pendant ce temps, on peut continuer à lui faire des roues de feu dans sa face. Ah, ça lui enlève quand même pas tellement. Jet de pierre. Ouf. Mais dans notre chapeau en feu. Ah non, c'est pas super efficace. Ah, mais parce qu'on a le type combat. Voilà pourquoi. On a le type combat qui nous fait un petit peu stopper des attaques. Ok. C'est dit que c'est mort. Allez, s'il te plaît. Dis-moi que tu vas évoluer dans cet épisode. S'il te plaît. S'il te plaît, Rose Bouton. Je t'en supplie. Je te le jure. Évolue, je t'en prie. Je suis en train de prier vraiment, les gars. Ah non! Je sais pas à quel niveau il va devoir monter, hein, mais Bon, peut-être quand je referai mon re-referai même, je dirais, mon grand retour aux prochaines vacances scolaires, il aura possible peut-être évolué en Roselia. Peut-être que je vais un peu farm de mon côté. Attendez, avant de prendre ça, on va aller là où il y avait le dresseur tout à l'heure. Que je n'ai pas fait. Ok, il n'y a rien là. Ouh, là-bas, il y a un petit truc rouge. Je crois que ça nous fait monter deux étages, ça. Bonjour, toi. Tu montes, tu descends, tu reprends l'ascenseur. Moi, j'aime le combat. D'accord. Si t'as envie. Ouh, trois Pokémon. Onyx. Chimpanfeu. Et donc, Éclatroc va être super efficace. Vas-y. Ah, baisse-lui sa défense. Merci. Bon là on peut le tuer en un coup. C'est plus probable, disons. Ok, Éclatroc, encore une fois. Eh oui, ouais, on l'a tué en deux coups. Ok. Onyx est KO. En ce bouton, continue à gagner de l'expérience. Mais ne décide toujours pas d'évoluer. Encore un Onyx.
Bon, on va refaire pareil, éclatroc encore une fois. Minou 28 celui-là. Je sais plus à quel niveau était le dernier. Mais suis sa défense. Merci. Bon là je pense qu'il va falloir au moins deux coups pour le tuer. Que de faire? Bon ça va pas être très efficace comme tout à l'heure. Voilà. Même pas du tout efficace. Roue de feu. Oh non, j'ai fait roue de feu. À moins que peut-être son petit passier va prendre. Non, non. Bah voyez, Stelix, c'est le type acier qui prend le dessus. Et Onyx, c'est sa petite évolution, c'est le type roche. À moins que, ouais, peut-être que Stelix perd totalement son type roche. Je sais plus, je dois vous avouer que je ne sais plus du tout. J'ai peut-être même jamais su. Ok, encore des points d'expérience. À boule l'expérience. Encore un Onyx. Vas-y. Tac. Éclatroc. Il est du même niveau que le dernier Onyx. Mais sous la défense. Ah non, tu l'as pas baissé cette fois. Mince. Ok, éclatroc. Presque mort. Et bah, c'est maintenant que tu lui baisses sa défense, hein. Que de faire? Ok, ça fait pas très mal. Ça nous... Ouah, ça enlève quand même 9 PV, hein. Ça enlève 9 PV, ça fait un petit peu mal. Ok, on va terminer par Flamèche. Moi, j'espère pas mettre chier. Non, ça va. Parce que des fois, ça arrive que tu fasses genre une petite attaque, il lui reste 2 PV. Un Pokémon Roche, imaginez, je fais coupe sur un Pokémon Roche, du coup c'est pas très efficace. Et bah, il aurait. Bah, c'est voulu retirer qu'un PV, du coup il va être encore en vie, et à la fin, il va te tuer. Voilà. Désolé. De toute façon, qu'est-ce qu'un épisode de Pokémon Perle sans un bon toussement de votre hôte, hein. Enfin. Ok, 76 PV, on va laisser ça comme ça. Alors là, est-ce que c'était un leurre? C'était un leurre. Mais au moins, on a fait le dresseur. Voilà. On gagne de l'expérience. Tac. C'était par là qu'il fallait monter. Voilà. On passe par là. Touc. On redescend. Et on va prendre celui qui passe comme ça. Il y a un ici. On va redescendre. Du coup, c'est un leurre lui aussi. Ah non, c'est. Ah non, ça nous fait monter. Alors là, on a le choix entre ici. Bon, on va prendre ici. Oula. C'est souvent là où il y a les... Bon, je vais passer par là-bas. C'est souvent là où il y a les dresseurs que... Le chemin. Qu'il y a le chemin. Ok, là, c'était un leurre, du coup. On va bien, bel et bien passer par là-bas. Et je vais aller voir ici. Un leurre également. Du coup, on sait que le chemin, c'est par là. Tac. Alors, un ouvrier. J'imagine que c'est encore un... Il doit encore avoir un Stelix ou des Onyx, mais il doit pas ouvrir autre chose. Il y en a deux. Onyx, ouais. De toute façon, je pense que les ouvriers dans cette arène, ils ont beaucoup de même peut-être même que des Onyx, je pense. Ça m'arrange pas tout ça parce qu'il me reste plus beaucoup d'éclatrocs, il m'en reste que 7, hein. Donc là, plus que 6 avec celui que je viens de faire. Mais pourquoi on n'a pas eu Mach Punch? C'est ça qui me... Qui m'interloque. On n'a pas. Ah, peut-être parce que. Peut-être quand il évolue en Simiabraze, non? C'est possible. Peut-être quand il évolue en Simiabraze, il apprend Mach Punch. Je sais. Je pense. J'ai l'espoir au fond de moi. Qu'un jour. On va envoyer. Oh merde, j'aurais dû envoyer la. J'aurais dû envoyer Léviator. Parce que Léviator, lui aussi, il est type vol. Et en plus, il est type eau. Du coup, il lui aurait fait très mal à l'Onyx. Je vais envoyer Léviator. Bon, ça sert pas à grand chose, hein, je vous le dis. Parce que là, il va faire une attaque roche, du coup, ça va être super efficace. Ah, il y a intimidation. Fais souplesse. Non, ça va. Ça passe. Il a perdu que 5 PV. Vraiment, Léviator, c'est un très bon Pokémon. C'est vraiment. Oui, c'est un très très bon Pokémon. Ok. Le two shot. Enfin, le one shot, même, mais il avait pas toute sa vie. Tac. 111, 111 et 111 et 334 pour Ok, encore un Onyx. Et bon, on va refaire pareil. Je pense maintenant on va envoyer que Léviator contre les Onyx.
Surf. Et il va mourir. Très bien, one shot. Qu'est-ce que je disais? Yator, c'est un de mes meilleurs Pokémon. Vraiment, c'est... Je dirais même peut-être même le meilleur. Suivi de très très près par Luxray. Peut-être même... Ouais, ils doivent peut-être même être à égalité, je pense. Dans mon cœur, en tout cas, ils sont à égalité. Ok, on passe ici. Là, il y a un truc, mais ça ne nous sert pas à grand-chose. Oula, là, on va avoir un petit combat. On va re-soigner Chimpanfeu. Ah non, il n'en a pas besoin. Mais ça, c'est un... Bon, lui, il risque beaucoup d'avoir un Steelix, quand même. Je le sens. Vous humez le Steelix avec lui ou pas? Moi, je le sens arriver. Je sais pas pourquoi. Mais je sens un petit parfum de Steelix qui arrive. Un Onix. Eh ben, je me suis trompé d'une évolution. Chimpanfeu. Contre un Onix. On va refaire pareil, on va envoyer Léviator. Ça va être beaucoup plus rapide. Puis j'imagine qu'il a deux Onix. Moi qu'il a un Onix ou un Steelix, hein. Et un Steelix, pardon. Intimidation. Il utilise grincement. Ok. Notre défense baisse beaucoup. On va utiliser Surf. Ok, le one shot pour Léviator. Encore un de plus à sa longue série, j'ai envie de vous dire. Ok, 172 points d'expérience. Et toujours autant pour Rose Bouton. Un Steelix. Eh ben, il est là, notre Steelix. On va laisser Léviator. J'ai envie de voir si vraiment il a encore le type roche ou ça va juste être normal si je fais surf. J'ai envie de voir. Je m'interloque. Surf. Pardon. Ah bah non, il garde le type roche aussi. Le type roche aussi. Ah, après sur Machot. Mais il a fermeté, non? Non, il a pas fermeté. Je pense, en vrai, je pense honnêtement que fermeté, ça n'existait pas encore à l'époque. Je pense pas, hein. La tempête sable fait rage. Léviator est frappé par la tempête sable. Et puis on va terminer par un ouragan. Parce que on n'a pas encore vu cette attaque. Une attaque du type dragon, je le rappelle. Et il est mort. Ok. On va peut-être même arriver au champion d'arène dans cet épisode. Mais je suis pas sûr de faire l'arène. Enfin, je suis pas sûr de battre le champion dans cet épisode. C'était vraiment un sacré, tu te débrouilles, ok. Ok. Donc, il nous reste encore pas mal de chemin à faire. On passe ici, il n'y a personne. Tac, on passe là. Hop, on passe ici. Il y a un dresseur. On va soigner un Pokémon. Ils ont peut-être pas besoin. Ils n'ont pas besoin du tout. C'est très très bien. Ok, on fait ce dresseur. Et je crois que c'est le dernier de l'arène. J'en ai pas vu d'autres. Et les gars, peut-être. Ah, je sais pas. Peut-être qu'on va faire dans cet épisode l'arène. Je suis dubitatif. Sachant qu'elle a qu'un seul Pokémon, mais ça peut très bien être. C'est un Azumarill. Azumarill de type acier. Ou je pense juste, il y a peut-être un. Je pense c'est juste un troll des développeurs en fait. Parce que Azumarill acier. Acier fait dans les nouvelles versions. Je sais qu'il est. Enfin, moins que dans les nouvelles versions, il troque son type acier contre un type fée. Je sais pas du tout. Là, je peux pas vous aider. Je vais envoyer Luxray. Quand même, parce que je sais qu'il est type O. Type acier Azumarill. D'accord. Bah, je savais pas. Vous voyez? À moins qu'il soit. Mais non, dans les nouvelles versions, il est O. C'est obligé qu'il soit O. C'est sûr. Il est O fée. Mais je suis pas sûr qu'il existe de Pokémon avec trois types. Non, deux maximum, mais pas trois. Bon, il y a bien Arceus qui peut avoir tous les. Qui peut utiliser tous les types. Avec les plaques. Mais. Bah déjà, ça se voit, je viens de faire éclair, enfin étincelle. Et ça a été super efficace. Du coup, il est bel et bien type. Oh mais. Oh acier. D'accord. Bah vous voyez, j'ai été surpris. Oh non. Mais c'est pas grave parce que Luxray, il s'en fout. Il s'en fout de tout. Il tue son amoureuse. Et voilà. C'est super efficace. Ok. 270, 270, et j'imagine 540. Rose Bouton monte au niveau 36. Je pense pas qu'il va évoluer. De toute façon, maintenant, j'ai vraiment mes espoirs à néant avec lui.
Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Il veut plus. Il veut plus. Le bougre. Ça y est, les gars, on est aux champions. Bon, allez, je vais pas vous abandonner. De toute façon, vous allez sûrement pas avoir d'épisode pendant un très très long moment. Ok, les mecs, on va terminer en beauté ces vacances pour moi. Avec un beau sixième badge d'arène. Je sauvegarde. Ok. Sauvegarde en cours. On a sauvegardé la partie. Et c'est parti, les amis, pour notre sixième badge d'arène. On y va. Ah, c'est le badge d'arène de Charbourg. Je vois, je vois. Tu as vaincu mon fils. Ah, c'est son fils. Enfin, ce n'est pas étonnant. Il a encore beaucoup à apprendre. Moi, Charles, saurais être à la hauteur, contrairement à mon fils Pierrick. On verra ça, on verra ça. Peut-être qu'on va juste se prendre un game over pour stopper, enfin, disons une pause dans la série, surtout sur ma chaîne YouTube, je pense. Mais d'accord. Archéomyr. Désolé. Je suis en train de me soigner, hein. Normalement, aux prochaines vacances, j'aurai plus ça. Woodfeu. C'est bon. Ah, bah voilà pourquoi il y avait des onyx, oh, il y avait tant d'onyx que ça. Parce que c'est... D'accord, Pierrick, son fils. Eh ben, je savais plus non plus. Il y a beaucoup de choses que je sais plus sur Pokémon. Lumicanon. C'est type acier, ça va pas me faire beaucoup de dégâts. Voyez? Je m'en fiche. Hein? Clairement. Roue de feu. Et c'est le two-shot, j'imagine. Très bien. Bien joué, Chimpanfeu. Tu es mon héros. 277. Bastiodon. Alors ça, il est acier. Une attaque de type combat, ce sera super efficace sur lui, je le sais. On va essayer de laisser Chimpanfeu. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est le Pokémon. Vous voyez, celui-là, c'est le Pokémon avec le plus de défense dans tous les jeux confondus. On va tenter un roue de feu. On va tenter un roue de feu. Mais je pense pas que ça devrait lui faire trop de dégâts. Ouais, ça lui fait presque rien. En plus, il a un repos. Oh non! Non, sérieux. Ça va parce qu'il dort. Et je crois qu'il est type sol. Il est sol acier. Du coup. Oh non, il avait une baie. Oh putain. Éclatroc. Ça va faire du dégât, ça. Oui! Très bien. Déjà, faire autant de dégâts sur le Pokémon le plus résistant du jeu, ça. Ça me fait plaisir. Lumino canon. De toute façon, si à un moment il fait repos, j'échangerai de Pokémon avec Léviator. Parce que il est sol acier, j'en suis sûr ça. Il est obligatoire pour type sol. C'est obligatoire. Là, il va utiliser une potion, ça, déjà, c'est sûr. Mais ce qui est bien, c'est qu'on lui baisse sa défense. C'est très bien. Pouvoir antique. Ouf, ça va nous faire mal ça. Ah, peut-être pas. C'est bon, on tient. On va refaire Éclatroc parce que je sais que voilà, il va utiliser une guérison d'ailleurs. Mais on va lui faire mal. Parce qu'on lui a baissé deux fois sa défense. S'il arrive à lui baisser une troisième fois sa défense, on se mettra très très bien. Oui. On s'est mis très très bien là. Et puis voilà. Un dernier Éclatroc, il est mort. Et du coup, il va lui rester un seul Pokémon. Je ne sais plus ce que c'est. Peut-être un Hermure. Moins que ça n'existe. Bah non, Hermure, il a apparu dans le. Bah déjà, j'ai souvenir d'un Hermure dans. D'un Pokémon Ruby. Bon, c'est. Bah oui. Donc, Hermure existe bel et bien dans ces versions-là. Ok. Rose Bouton gagne aussi 831. Un Steelix! Et bah, les amis, on va terminer en beauté avec un. Peut-être un one-shot, hein, je ne sais pas. Mais un kill de Léviator. C'est sûr et certain, ça. Et en plus, il va monter au niveau 32, c'est parfait. On n'a pas peur de toi, nous. On est plus fort. Que se passe-t-il? C'est mon dernier moment de vérité. C'est mon dernier. Quoi? Le moment de vérité. D'accord. Ah, bah, ok, j'ai compris. Surf. Allez, Viator. Tu peux mettre un point d'honneur à cette pause qui va se passer là. Moitié des PV. Moitié des PV. Gyrobal. C'est pas puissant. Tu résistes. Voilà, tu t'en fous, t'es un Pokémon vol. Et donc, les amis,
Ça y est, c'est officiel. On a officiellement notre sixième badge d'arène sur 8. C'est-à-dire qu'il nous en reste 2. Franchement, on aurait mis une sacrée claque au jeu pendant ces vacances. Enfin, pendant ces... Ouais, je sais plus, j'étais à combien? J'étais au 19e. Non, j'étais pas au 19e. Je sais plus à quel épisode j'étais. Attendez, ça se vérifie facilement. Ah, Crogiv, attendez. Je vais apprendre Crogiv et en même temps, je vais aller chercher mon téléphone pour aller voir. On était à quel épisode avant de lui mettre cette sacrée claque. On va enlever Ouragan. Je reviens tout de suite. Je suis là. J'ai mon téléphone en main. Et donc, je vais dans ma playlist. Pokémon Perle. Je sais que le dernier épisode que j'ai tourné avant les vacances, il faisait que 19 minutes. Voilà. C'était l'épisode 11. On a fait 10 vidéos pendant ces vacances. Je pouvais peut-être même en faire 12, mais je peux vraiment pas avec tout ce que j'ai à faire. Eh bien les amis, bah déjà on va lire ce qu'il a à nous dire, hein. Et on va récupérer notre badge bien sûr. Tu as assez de talent pour venir à bout de ma grande équipe de Pokémon. En reconnaissance de ta puissance, je te confie ceci, le badge mine. Pimpin obtient le badge mine de Charles. Ok. Ce badge permet d'utiliser la capacité force en dehors du combat. Tu possèdes maintenant 6 badges. Cela signifie que les Pokémon t'obéiront au doigt et à l'œil jusqu'au niveau 70. Tiens, oh putain. Et en vrai, ça... Mes Pokémon sont que niveau 30. Il me dit qu'ils t'obéiront jusqu'au niveau 70, mais il est malade. Tiens, prends également ceci. C'était 91. Qu'est-ce que c'est? L'Uninocanon. Elle peut réduire la défense spéciale de la cible quand elle le touche. D'accord. Et ben on va repartir. Je vais pas sortir de l'arène parce que je suis sûr il va y avoir Aurore ou une connerie comme ça devant. Puis on est déjà à 46 minutes d'épisode, du coup. Voilà, il faut gagner du temps. Hein. Ok, on est en bas. Et donc les amis, on va se dire au revoir ici avec notre cher ami qui nous suit depuis très longtemps. Bon bah les gens, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié tous les épisodes qui sont arrivés durant ces 2 semaines. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu cet épisode, tout simplement. N'hésitez pas non plus à mettre un gros gros like pour célébrer le sixième badge ensemble. Il nous reste 2 badges. Donc comme je l'ai dit, le jeu est à peu plus de la moitié maintenant. Du coup, suivez quand même bien le jeu parce que ça va quand même bien s'enchaîner maintenant. Également, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. D'ailleurs, pour ne rater aucune autre vidéo, n'hésitez pas à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour suivre. Bon, pour me suivre dans mon périple sur YouTube, voilà. Puis voilà, maintenant que tout a été dit, les amis, on va se retrouver, je ne sais pas quand, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, peut-être aux prochaines vacances. Mais vous savez comme je suis, vous me connaissez maintenant. Donc, en tout cas, moi, je kiffe faire ces vidéos, je kiffe être avec vous sur cette aventure. Et voilà, maintenant que j'ai tout dit, on se retrouve pour de prochaines vidéos dans un certain temps, je ne sais pas. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!